En Libye, au moins 34 soldats de l'armée gouvernementale ont été tués et plus de 180 blessés, alors qu'ils progressaient vers la ville côtière de Sirte, dernière ville où l'organisation État islamique résiste. Après 3 mois de campagne, les forces armées alignées avec le gouvernement soutenu par les Nations Unies ont repoussé les djihadistes de l'organisation État islamique dans une petite zone résidentielle au centre de Sirte. Elles ont été aidées depuis le 1er août par les frappes aériennes américaines. Les lourds combats ont repris dimanche après une semaine d'accalmie. Les brigades libyennes disent qu'elles sont proches de la victoire à Sirte. Elles luttent cependant pour se défendre des attentats suicides, des tirs de snipers et des mines terrestres. Par la grâce de Dieu, nous avons avancé sur eux depuis quatre directions différentes et nous les avons défaits. Maintenant, Daesh est encerclé dans le quartier numéro 3. Nos forces ont avancé depuis le front oriental sur la zone côtière d'Al-Jiza et à présent, nous les avons encerclés dans le quartier numéro 3. La prochaine offensive sonnera leur glas.